Le discours du Président à l'occasion de l'indépendance du Gabon a été marqué par une réflexion émotionnelle et un engagement profond envers le développement du pays et le bien-être de ses citoyens. Un discours qui a réservé une place de choix aux annonces dans les domaines de l'éducation et du développement. Le Président a souligné les défis auxquels le pays a dû faire face tout en exprimant sa solidarité envers les victimes de diverses tragédies récentes. Cependant, il a affirmé que la nation gabonaise reste forte et solidaire, résiliente face aux tempêtes qui se dressent devant elle. Les annonces faites dans le discours se sont concentrées sur des mesures tangibles pour améliorer la vie des Gabonais. Le gouvernement a prévu de plafonner le prix des uniformes scolaires, de réduire les frais de scolarité et d'inscription à l'école de 25% et de fournir gratuitement des manuels scolaires pour les classes de primaire et de préprimaire dès la prochaine rentrée scolaire. Ces initiatives visent à garantir un accès équitable à l'éducation, reflétant l'engagement continu du gouvernement vers la justice sociale. En parallèle, le président a évoqué des projets de développement essentiels. Le programme national d'éclairage public urbain sera elle, étendu avec l'installation de milliers de lampadaires et une voie de contournement de Libreville sera inaugurée pour alléger le trafic dans la capitale. Les travaux routiers en cours dans plusieurs régions du pays renforceront la connectivité et faciliteront l'accès aux opportunités professionnelles. Le discours s'est achevé par un appel à l'unité nationale et à la participation aux prochaines élections générales. Le président a exprimé sa détermination à maintenir la paix et la stabilité dans le pays, malgré les turbulences régionales.